On arrive au pont de la Compote. Là c'est le pont, à droite le bar, resto. Et tout de suite après le bar, on prend à droite la petite route. C'est pas toujours fréquentable. On arrive au petit relais de télé là. Bon, on va essayer de se garer. L'été c'est plus facile, il y a un parking un peu plus haut. Et voilà la Compote en Vosges. Avec le trello juste au-dessus. Et c'est parti par la petite route de la forêt communale. Alors si c'est comme ça tout le long, ça promet d'être magnifique. On arrive au parking estival. La route forestière continue tout droit. Et là, on va prendre à gauche par le GR qui traverse le petit ruisseau en bas. Le GR monte presque tout droit dans les bois. Alors parfois, il peut y avoir plein de cailloux. Et là, cette année, comme il y a beaucoup de neige, c'est très agréable. Puis là, on croise les routes forestières et ça continue tout droit quand même. Le GR rejoint l'épaule où se trouve le chemin qui monte d'école jusqu'au chalet de la Fully. Et là, on arrive en vue de la fameuse chapelle Saint-Bernard. Et me voilà devant cette très jolie chapelle. On va essayer d'entrer, je pense que c'est ouvert. Si la porte n'est pas bloquée. Super, c'est ouvert. Voilà, petit tour. Elle est très jolie, cette petite chapelle. Voilà, un petit peu quelques détails.
C'est très joliment décoré façon naïf. Et en haut, il y a les montagnes tout autour. Voilà, on va ressortir. Le colombier là-haut. Voilà, c'est reparti. Direction Ayons-le-Jeune. Vers le haut donc. C'est une clairière qui est très agréable l'été pour pique-niquer. Alors tout aussi agréable le sentier qui suit l'épaule. Jusqu'au chalet de la Fully là-haut. Il y en a encore pour un petit moment. Dans la hêtraie, c'est formidable là. Et c'est quasiment tout le long comme ça, depuis la chapelle Saint-Bernard jusqu'à l'alpage de la Fully. C'est un très beau petit GR. On arrive au Sauget. Une petite clairière intermédiaire. Ensuite, on prendra à droite, direction la Fully. On passera sur le versant du Nant de Rossanne. Tout petit peu plus loin, sur la gauche, on a le petit chalet du Sauget. D'où on a une jolie vue sur la Dent d'Arcluse. Au soleil. Bon, on va bientôt sortir de la forêt. C'est très joli. Voilà, on arrive au pied de l'alpage de la Fully, où il y a toutes les directions vers Ayons et vers les chalets. Là, c'est le sentier du col. Et nous, on va monter. Et là, ça va même bien monter. Et voici l'alpage de la Fully. C'est magnifique aujourd'hui encore avec ce soleil. Et tout en haut, il y a les chalets. Et voilà, c'est l'arrivée au chalet de la Fully. Ça grimpe bien. C'est moderne les chalets maintenant dans les alpages. Ah ben voilà, là-haut ben c'est le colombier. C'est chouette à faire. Là-bas le col de Cochette. En face c'est la station d'Ayons. Il y a sûrement des gens qui skient là-bas.
à mes pieds, il y a un abreuvoir d'habitude. Ben, cette année, il est bien enterré. Il y a au moins 1 mètre de neige là, bien tassé. Là-bas au fond, ben, c'est toutes les montagnes, Belledonne, tout ça. La dent d'Arcluse, très jolie aussi. Alors de ce côté-là, il y en a qui le font à ski, mais c'est un peu risqué quand même. La pointe des Arces, toute blanche à nouveau. Il y a 2 semaines, elle était toute marron, tout était descendu. Le Péclos et l'Armène à côté. L'Arcalo. Le Trello et toute la montagne du Charbon avec la dent des portes. On a fait le tour. Et c'est parti pour la descente. Retour au pied d'alpage. Au lieu d'aller tout droit comme par où je suis venu, je vais plutôt essayer de prendre la route forestière s'il n'y a pas trop épais et si c'est praticable. C'est un peu plus long par la route forestière, mais bon, ça permet de faire une boucle. Même si c'est un peu monotone. Et c'est un excellent petit itinéraire de repli si jamais on est un peu tard et qu'on risque d'être pris par la nuit. Ben, ça enfonce pas trop, il y a des gens qui sont passés. Et voilà, retour au relais. C'est une rando bien sympathique. Abordable, facile à faire pour tout le monde. La descente par la route forestière est un peu longue et fatigante, mais ça vaut le coup. Les paysages, tout, c'est vraiment extraordinaire. On est content d'arriver. Le paysage est formidable.